jamais compris l'intolérance sous quelque forme qu'elle soit, c'est-à-dire l'intolérance religieuse, raciale, sexiste. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est un abaissement de tout ce qu'il y a de grand en nous qui est incroyable, un abaissement choisi. On peut être grand et on choisit d'être petit. Et donc, évidemment, ça me révolte, comme je suppose beaucoup d'entre vous. C'est un thème qui est là chez moi assez fort, parce que je ne comprends pas. Enfin, si je le comprends, c'est très lié à l'éducation, à un système éducatif. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment on devient intolérant. Et comment on devient intolérant, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Ou qu'on a été brutalisé, pas forcément juste physiquement. Donc, ça, c'est un sujet. Je suis très attiré par, effectivement, les héros qui luttent contre cette tyrannie. Mais c'est vrai que je m'apercevais en écrivant sur cette période, qui est une période que je connais bien de mes études, parce qu'elle m'avait fasciné. L'étude des totalitarismes, c'est une étude de la faute humaine. Donc même pour quelqu'un qui veut écrire, il y a quelque chose d'artistique là-dedans, de noir, mais d'artistique et de matériaux, d'inspiration. Et ça m'avait fasciné, cette étude de la folie. Et donc, naturellement, j'étais assez porté vers cette époque que je connaissais. Mais je ne l'ai mesuré qu'en écrivant à quel point les résonances, et c'était un point inquiétant, étaient contemporaines. Et c'était à la fois inquiétant et rassurant parce que, autant j'avais l'impression qu'on voyait se produire maintenant les mêmes choses qui se sont produites il y a 100 ans, en Italie donc notamment, autant je prenais conscience du fait que ça n'était pas inévitable. Et notamment, il y a l'exemple de la marche sur Rome dans ce livre. On peut avoir le sentiment que la marche sur Rome qui amène Mussolini au pouvoir est un mouvement armé irrépressible. Or, c'est tout le contraire. Si vous regardez la marche sur Rome, c'est une bande de mecs dépareillés avec des vieux fusils et des fourches. L'armée est prête à les éradiquer, mais le roi, pour une raison qui lui appartient, décide de capituler et de dire « bon, bah, on va les laisser » et Mussolini se retrouve au pouvoir. Mussolini, qui savait tellement que la marche sur Rome n'avait aucune chance de réussir, qu'il était resté à Milan, prêt à se barrer en Suisse, tellement il était certain que ça allait mal tourner. Et donc ce type, et on a eu un peu la même chose avec Trump, hein, qui arrive et qui se retrouve président le jour où on voit sa tête, le jour où il est élu, c'est effarant, c'est drôle et effrayant à la fois. Et Mussolini, c'est la même chose. Et on voit comment un bouffon ou un clown va conditionner pour le pire 20 ans de 25 ans d'histoire italienne. Mais ça veut dire aussi qu'en fait, sur une toute petite décision, on aurait pu inverser peut-être ce mouvement. Et donc, il nous appartient, chacun d'entre nous, de jamais capituler, de ne pas se dire « c'est comme ça, j'y peux rien ». Donc, il y avait ces deux dimensions, à la fois inquiétantes et très contemporaines, et y compris dans l'oppression faite aux femmes, où je me disais finalement, la condition des femmes par rapport à ma viola et des améliorations constructives, mais fondamentalement, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé. Il vaut franchement mieux être un mec aujourd'hui qu'une femme. Hein. Et ça, c'est un truc de... C'est fou de prendre conscience de... Bah, peut-être, mais très bien. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de femmes pour sur lesquelles... Le salaire, c'est voilà. Sur le salaire, par exemple, c'est encore souvent le cas. Et puis, une femme qui a un enfant aujourd'hui, c'est aussi beaucoup le cas. Je veux dire, la charge mentale d'une femme, nous, les mecs, on a beau dire, mais t'as pas de charge mentale, je t'aide. Je suis désolé. Moi, je mesure, même moi qui n'ai pas d'enfant dans ma famille, que je fais involontairement peser une charge mentale sur ma femme, parfois même en essayant de ne pas le faire. Donc bref, Paul, je vous dis qu'il y a des exceptions et tout, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus confortable d'être un homme. Je ne vous dis pas il vaut mieux, je vous dis c'est plus confortable. J'ai envie de vous dire il vaut mieux être une femme parce que vous êtes plus intelligente. Mais c'est plus confortable, c'est plus facile, c'est plus facile. Donc il y avait ces côtés-là, voilà. Mais il y avait aussi ce côté rassurant de « il nous appartient d'inverser la tendance ». Ouais, c'est parce que on voit, vraiment en vous lisant que chez vous la littérature est image, et on pense physique quotidien, on pense au départ, on pense. Est-ce que vous avez déjà un projet de film, d'adaptation, est-ce qu'il y a des pistes qui s'ouvrent? Oui, alors là, on est en train de signer avec deux producteurs que j'aime beaucoup, parce que moi j'ai travaillé avec eux de mes années dans le cinéma, et ça fait partie, j'allais dire, des rares personnes droites que j'ai rencontrées. Le cinéma n'est pas plein d'escrocs, hein. Il y en a, mais c'est pas le cas. Simplement, c'était vraiment des gens très talentueux, très droits, avec qui j'ai beaucoup travaillé, très créatifs, ce qui pour le coup n'est pas le cas de beaucoup de producteurs. Et donc on espère en faire soit un film, soit une mini-série.
peut-être pour pouvoir un peu rendre justice à la temporalité du livre qui est assez longue. Et est-ce que vous feriez le scénario ? Mais pas du tout. Non. Non, j'ai déjà écrit le livre. J'ai pas envie de. En fait, je vais raconter une anecdote dont j'ai beaucoup appris de cet épisode. Je réalise mon premier film d'horreur aux États-Unis, Dead End. Un jour, je reçois un coup de fil. Tiens, ton film est en doublage en France au studio de Joinville, en français. Et comme tu es à Paris, bah, je me dis, bah, j'y vais, bien sûr, j'y vais, je vais les aider. Je dirige le doublage en français. Moi, je déteste le doublage, hein, donc je me dis, heureusement que je suis là. Je rentre chez moi et je dis à ma compagne de l'époque, bah, heureusement que j'étais là, je leur ai évité le désastre. Un an après, je vois un bout du film doublé, je ne sais pas pourquoi, et je trouve ça nul. Mais nul, c'est à cause de moi. Pourquoi ? Parce que je réalise que j'ai cherché à reproduire les voix des acteurs américains que j'avais intrinsèquement en tête et dans mon sang, tellement je les avais entendus et dirigés, j'ai essayé de les reproduire en français, résultat c'était nul et pas naturel du tout, et c'est à cause de moi. Donc j'ai appris qu'il valait mieux. Moi j'ai écrit un livre, je suis romancier, je laisse partir, je pars avec des gens de confiance et je laisse faire. Alors j'ai promis de vous laisser à votre public pour les dédicaces. Si vous n'avez pas encore lu Les Sureurs, évidemment, il faut lire, vous verrez, je ne lâcherai pas jusqu'à 580e page peut-être, et vous n'aurez la solution du mystère que dans les dernières pages. Vous savez que on dit en général que le roman le plus difficile à écrire, c'est celui qui suit beaucoup. Vous avez commencé ? Non, peut-être que je l'écrirai après, comme ça je m'écrirai en moins difficile. Est-ce que vous avez eu des euros ? Oui, j'ai dû les réclamer. Parce que le bon coup aujourd'hui, c'est 10 euros. Et c'est un chèque de 10 euros. Je l'ai fait encadrer, je viens juste de le recevoir en fait. Parce que Camille et Laurence ont oublié son chéquier le jour même, donc elle m'a gentiment envoyé le chèque et je l'ai fait encadrer. Il y a un lauréat, un seul lauréat du concours, il l'a touché. Il l'a encaissé. Deux fois, non. Il l'a encaissé. Il n'y a pas de petit profit. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je laisse Jean-Baptiste terminer cette rencontre avec le paragraphe. Rassurez-vous, il est très court. Page 138, qui lui a fait. Être sûr qu'il irait jusqu'au bout. En juillet, je prends l'avion pour aller au lancement de proches que dirige Constance Beccaria ici, qui est la collection de poches de l'iconoclaste. Et je suis dans l'avion et j'écris ce passage. J'avais pas écrit de ligne littéraire pour le moment. Et là, je me dis, j'ai mon livre. J'ai le ton. Quand j'ai le ton, et je me suis mis à écrire au retour. Donc le bon cours de ce paragraphe dans l'avion entre Nice et Paris. L'espace d'un instant, Viola et moi, sommes de la même taille. Nous avons presque 14 ans. La même taille, exactement. Ça ne durera pas. Elle le sait, je le sais, nous le savons, car j'aime dire oui. Dans une seconde, Viola continuera de grandir et filera vers le ciel. Je resterai là, au ras du sol. Alors nous nous regardons longtemps, bien dans les yeux, plantés l'un dans l'autre. Presque surpris par ce croisement, égalité inattendue dans une nuit de cimetière et de chaleur et de couleurs rôties par la chaleur du jour. Je me surprends à l'espace d'un instant à croire que rien ne changera. Mais déjà, les forces sont à l'œuvre qui la font pousser, et cellules qui s'empilent, les os qui s'étirent, et molécule par molécule, Viola s'éloigne de moi.